Manchester City s'est imposé 4 buts à 0 face au Real, match retour pour la Ligue des Champions. Ce qui fait que City s'est qualifié pour la finale. City va rejoindre l'Inter de Milan en finale, les gars. Et en conférence de presse, lorsque on a interviewé Carlo Ancelotti, il a dit qu'ils sont tombés sur plus meilleurs que eux. Franchement, avec du recul, Carlo Ancelotti a raison. Ce City-là est très fort, les gars. Ce City-là est très très fort. Parce que avant, on avait l'image d'un City qui faisait tourner la balle, tiki-taka, mais sans vraiment se procurer les occasions. C'était un tiki-taka qui était un peu. Ça dormait, c'était ronronnant, c'était un peu stéréotypé. Aujourd'hui, c'est un tiki-taka qui est beaucoup plus fluide, un tiki-taka qui a beaucoup plus de verticalité. Il y a beaucoup plus de variété dans ce tiki-taka. Donc, c'est un style que moi je trouve beaucoup plus complet. Beaucoup plus complet. C'est très fort. C'est un style qui est capable de subir. C'est un style qui est capable de faire le dos rond, mais également de faire le jeu. Et ça, dans les années précédentes, on ne voyait pas ça. Maintenant, donc, est-ce qu'ils vont remporter la Ligue des Champions? Ça, c'est un autre débat. Sur un match, tout est possible. La finale se joue sur un match. Et sur un match, c'est un peu comme les coupes de France, la coupe d'Angleterre, là où le petit peut faire un hold-up. Si c'était un match aller-retour, je te dirais que City va remporter la finale. Mais c'est un match sec. Et sur un match sec, tout peut se produire. Tout peut se produire, les gars. Donc, voilà ce que vous voulez partager avec toi dans votre retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!